Robinson qui avait loupé le dernier match de Monaco, c'était peu avant la mi-février, et une huitième de finale alors que Elmedin Krikanovic, c'est trois fontaines à trois points, c'est loupé. Eddie Boss pour mettre de la vitesse, ça il sait faire pour Krikanovic et Monaco sur le jeu en transition. Mais ça partait vraiment d'un bon sentiment, Amara. Tu nous manques. Krikanovic, Krikanovic avec la faute, plus rapide. Krikanovic avec son jeu de feinte pour provoquer par Killian Hayes. Robinson là. Ouattara dans le mouvement, rebond offensif pour Krikanovic, ça passe. 3 heures, sans compter l'échauffement. Krikanovic qui trouve le backdoor, et 2 points de plus, ça c'était magnifique. Réviation. Ouais, beau service là, Ouattara qui va ressortir. Oh, il s'en faut trouver petit à petit, mais... ça a l'air de fonctionner. Il est rentré dans le match par le bon bout et regardez l'agressivité sur pick and roll. Krikanovic, grosse vitesse. Tout, une défense de zone pour finir le match. Ah mais si on ne bloque pas au rebond, on peut faire toutes les défenses du monde. Cholet qui n'aura réussi qu'à inscrire 19 points pour l'instant dans cette seconde période. Et Paul Lacombe l'a pas tant aimé. Le courant d'air est là. Ouais, ça déroule. Non, ils n'y sont plus. Oh, et Kik à son tour sur la belle passe de Dybost. Quand Krikanovic fait l'avion après un dunk, c'est que tout va bien. Monaco se fait plaisir et est en... des champions, n'hésitez pas sur Twitter à confirmer ou pas.